suis né à Brest au départ. Je suis arrivé en région parisienne quand j'étais relativement jeune, et ce qui m'a réconcilié avec Paris et ce tumulte permanent, c'est de découvrir la scène. J'ai joué du jazz sur les bateaux pendant très longtemps avec un petit groupe très sympa, à tel point que j'ai fini par tisser des liens avec le propriétaire du bateau. Il m'a fait découvrir une vie complètement incroyable où on a l'impression d'être en vacances en plein Paris. C'est un gabarit Fraissinet, donc c'est vraiment la péniche classique par excellence, 38,50 m sur 5,50 m. C'était le bateau qui rentrait dans les écluses. Il a été transformé par Marc Barberena qui donc a donné le nom au bateau, c'est pour ça que ça s'appelle le Marcounet. Il a été exploité pendant quelques années à Paris, 10-15 ans je pense. Il a été racheté et puis il a fini à Chalon-sur-Saône. Le projet, c'était vraiment de ramener le bateau en plein Paris, et on est ravis parce qu'on a réussi, en répondant à un appel d'offres de Port de Paris, à avoir une place près de l'île Saint-Louis, qui est quand même un quartier incroyable, quoi. L'idée du Marcounet au départ, c'est vraiment d'en faire un lieu de partage. Ça a un côté vraiment décalé qui est complètement dehors de la mode. On a du classique, du jazz, ça va jusqu'au baroque, ça peut passer par la musique guinguette. Voilà. En tout cas, tout ça, ce sont des choses que moi j'aime, que j'ai envie de partager, qui ne sont pas forcément très très lucratives, mais qui fonctionnent sur, à mon avis, du long terme. Plus de ce bateau, c'est d'avoir un côté très confortable, cocooning, avec la possibilité de mettre un peu de bois dans la cheminée. Et donc on fait notamment des brunchs tous les dimanches avec des musiciens incroyables qui me rendent un énorme service, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît globalement, et qui me disent bah, nous on aime bien cet état d'esprit, on est prêt à jouer pour pas grand chose dès l'instant qu'on sentira qu'on est bien accueilli. Sans parler de business, tous les dimanches je passe des moments incroyables. Tous les matins je me lève, la première chose que je fais, j'ouvre les rideaux, j'ouvre la fenêtre, qu'il pleuve ou qu'il vente, ça reste sublime. J'ai du mal à raconter les émotions que j'éprouve, en tout cas il y a un truc qui est clair, c'est que je m'en lasse pas, quoi. Super. Michelin, une meilleure façon d'avancer.